Et bonjour tout le monde, c'est Solinder, on se retrouve aujourd'hui sans musique pour le 7e épisode de notre aventure sur Professeur Layton et la boîte de Pandore. J'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va. Nous devons descendre du train, nous sommes arrivés a priori dans la ville fantôme de Folsens. Et ça fait peur. Préparez-vous. Cet endroit me donne la chair de poule. À avoir les miquettes collées. Je peux comprendre. Moi je ne vous quitte pas d'une semelle. Ouh, ça fait peur. Regardez, on dirait des photos de la ville. De vieilles photos de la ville, plus précisément. Prises il y a plus de 30 ans, je dirais. Wow, comment le savez-vous? Ah, mais oui, vous êtes archéologue. Vous connaissez toutes ces choses. Oui, bah oui, archéologue de 30 ans. Je ne dis pas que tu avais oublié. Alors, nous devrions nous dépêcher. D'accord, bon. Mais... qu'est-ce que c'est? Professeur, mais qu'est-ce qui se passe? Sortons. Oh. Oh. Incroyable. C'est beau. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Je ne sais pas, mais c'est bizarre. C'est juste une ville éclairée, hein, je vois pas le problème. Mais je comprends pourquoi j'avais peur, là. L'ambiance mise au début... ça fout les miquettes. Quelques minutes après leur arrivée à Folsens, Luke Layton et Flora assistent à un événement inattendu. Sous leurs yeux, la gare de Folsens se transforme en un superbe bâtiment. Comment expliquer que la gare ait changé d'aspect de cette manière? Suivant la piste du coffret, Flora, Luke et le professeur arrivent dans une ville étrange. Merci. Cependant, rien n'aurait pu les préparer aux incroyables événements qui allaient suivre. Ah oui, d'accord, en fait, j'aurais pu... ça aurait été un endroit plus logique pour arrêter la vidéo la dernière fois, mais c'est pas grave. Ok. Folsens, la ville fantôme, chapitre 4. Très bien. Oh, c'est musique. Alors la voilà, cette fameuse ville fantôme, hein. On se croirait dans un roman d'épouvante. Moi aussi, je trouve cet endroit inquiétant, mais cela ne doit pas entraver nos recherches. Après tout, il se peut que nous trouvions ici des informations précieuses sur le coffret céleste. Le professeur Luke et Flora décident de visiter un peu la ville. D'accord. Ah oui, mais du coup, moi, je voulais voir Mamie Mystère. Je peux pas, du coup. Professeur, le train est toujours en gare, mais il n'y a personne en vue. Alors, nous n'avons pas d'autre choix que de rester en ville. Voilà une bonne raison de continuer nos recherches. Si vous le dites, professeur. D'accord, reprenons notre enquête. Ah, du coup, il va falloir que je trouve Mamie Mystère. Parce que du coup, c'est un de mes objectifs, c'est de compléter l'appareil photo. Et comme ça, on va pouvoir s'amuser à faire un génial puzzle à 10 pièces que je vais mettre 20 ans à réussir à résoudre. Ça nous raconte, ils doivent payer une facture colossale d'électricité. C'est vrai que c'est bien éclairé, hein. Ah. Cela a été nettoyé avec beaucoup de soin. Si tu le dis. Bon, allez. Cette statue en bronze est en parfait état, d'accord. Oh, quelle surprise de vous voir ici. Salut et bonjour et tout ça. Qu'est-ce qu'il fout, là? Eh, vous êtes... Le facteur, oui. J'ai une tournée à faire ici. Mais je viens toujours de nuit et ça me prend des heures. Ce n'est pas surprenant que les gens soient à cran ici. À cette heure tardive. Au moins, je peux l'apporter un peu de bonheur avec le courrier. Waouh, votre tournée vous amène jusqu'ici? Eh oui, j'ai des horaires à respecter. D'ailleurs, il faut que j'y aille. À plus tard. Il semblerait que la tournée de notre ami le facteur couvre une zone extrêmement vaste. Waouh, mais comment peut-il faire l'aller-retour en un jour? À moins de pouvoir se téléporter, c'est impossible.
C'est ce que tu penses, Luc, mais le monde est plein de phénomènes inexplicables. Celui-ci n'est que l'un d'entre eux. Peut-être, mais ça me semble tout de même impossible. D'accord. Mystérieux. Oh ! Est-ce que ça va, Flora ? Tu n'as pas l'air bien. Je ne sais pas, je me sens faible tout à coup. Tu es pâle comme un linge. Trouvons un endroit où tu pourras te reposer. Je ne vois aucun hôtel par ici. S'il y en avait un, il devrait être indiqué. Étrange, cependant, mon intuition me dit que l'un de ces bâtiments est bel et bien un hôtel. Et donc, du coup, nous allons chercher un hôtel. Parce que ça va, en même temps, ils n'ont pas dormi depuis un sacré moment. il semble que cette route soit de construction récente. D'accord. Oh. Je retrouve... Hôtel caché. Ah, d'accord. Quatre bâtiments se dressent à proximité de la gare de Folsens. L'un de ces quatre bâtiments est sans doute l'hôtel de la ville, mais aucune enseigne n'est visible pour confirmer duquel il s'agit. Malgré tout, certains détails devraient vous permettre de déterminer où se trouve cet hôtel. Pouvez-vous deviner de quel bâtiment il s'agit? Bah celui-là, on va dire qu'il n'y a pas assez de fenêtres, parce que, et du coup, il n'y aurait pas assez de chambres, et ce serait bizarre qu'il y ait deux portes. Ouais, c'est ça, en fait, il faudrait une seule porte. Là, pareil, il y a des cheminées, ce serait bizarre. Je sais pas, lequel ressemble le plus à un hôtel, je dirais bien sûr. Le B. Enfin, le B ou le D. Ouais, le D ressemble quand même bien à un hôtel, en plus, il y a des chambres allumées, des chambres éteintes. L'entrée, enfin le hall a l'air allumé. Je sais absolument pas comment on est censé résoudre, résoudre ça. Bon, je vais prendre un indice quand même plutôt que de répondre de manière random. Observez bien chaque détail et vous découvrirez où se trouve l'hôtel. Eh, ça m'a l'air vraiment étrange comme truc. Hein. Indice. Observez bien les façades de ces quatre bâtiments et la réponse devrait vous paraître évidente. Vous savez bien, la façade et la réponse devraient vous paraître évidentes. Quoi, c'est la couleur, c'est les... Il y a écrit hôtel quelque part et je suis complètement aveugle ou comment ça se passe? Non. Regardez bien, sur l'un des bâtiments, on peut deviner le mot hôtel. Ah oui, d'accord, donc il y a vraiment écrit hôtel et je suis complètement aveugle. H-O-T-E-L, hôtel, d'accord, merci beaucoup les énigmes débiles si c'est bon. Et que je suis même pas capable de remarquer. Trop facile. Et génial. Les lettres du mot hôtel sont cachées dans une dans des fenêtres, dans une des portes et l'horloge du bâtiment C. Est-ce que vous l'aviez vu vous? Dites-moi dans les commentaires. Nouvel ingrédient disponible et les fleurs. Ah, cool. Cool, cool, cool. Comment vas-tu Flora? Tu te sens mieux? Un peu, oui. Je pense que du repos me fera le plus grand bien. Luc et moi allons retourner en ville pour essayer d'en apprendre un peu plus sur cet endroit. Pourquoi ne resterais-tu pas ici pour te remettre d'aplomb? Oui, repose-toi un peu, Flora. Nous serons très vite de retour. Merci, Luc. Surtout, sois prudent. Vous aussi, professeur. Vous croyez que tout ira bien pour Flora? Ne t'en fais pas trop, Luc. Notre long voyage a dû l'épuiser. La meilleure chose à faire est de rassembler autant d'informations que possible et rentrer à l'hôtel. Après tout, un gentleman ne fait jamais attendre une demoiselle. Flora n'est plus avec vous. Ok. Et donc, nous allons explorer cette ville étrange. Avec leurs hôtels, avec les noms dissimulés. Tiens, bonjour. C'est Spirou. Kranz. Bonsoir, messieurs. J'espère que la jeune fille qui vous accompagne se remettra vite. D'accord. De quoi tu te mêles? Ah, une pièce SOS. Parce que bon, il n'y a pas de raison. Pas parce qu'on est dans un hôtel qu'on va pas fouiller partout. Ah bah voilà. Super. Ah, je peux aller dans la chambre? Ah oui, je peux quand même fouiller dans la chambre. Ah ah. Ah ah. J'ai bien fait. Quelle rose magnifique. Ah bah ça va encore être la même énigme que dans le train. Et elle sent tellement bon. En parlant de fleurs, dis-moi, Luc, connais-tu cette énigme? Ouais, c'est ça, effluve fleuri 2. Je m'en doutais.
Donc c'est les mêmes règles que l'autre énigme. En fin de rôle, c'est diffusé. Ouais, c'est ça, sur deux cases dans toutes les directions. D'accord. Alors, toc toc toc. De toute façon, faut essayer un peu au pif, hein, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Non. Ben voilà. Oui, c'est pas très Voilà compliqué ce maintenant. genre d'énigme, hein, ça va. Je sais pas s'ils peuvent vraiment les faire plus compliqués, mais... Je suis le Ou alors digne peut-être que j'ai apprenti beaucoup de du chance, c'est peut-être ça. professeur. C'est peut-être ça. Je sais pas si on en aura une troisième ou pas. En tout cas, ça va, j'aime bien. Une autre énigme résolue. Rien de tel qu'un bouquet de fleurs fraîches pour créer une ambiance paisible dans une pièce. Le parfum de fleurs régnant dans le train m'a vraiment détendu, c'est vrai. Oui, les fleurs que le chef du train a placées dans les compartiments étaient très belles et parfumées. Bien sûr. C'est tellement évident que je ne sais pas pourquoi je n'y avais pas pensé avant. Que voulez-vous dire, professeur? Luc, repense au moment où un wagon a changé de voie. T'en souviens-tu? À vrai dire, je m'en souviens pas vraiment. C'est un peu flou. Je crois que je dormais. Bien sûr que tu dormais. Notre soudaine somnolence n'avait rien d'une coïncidence. De plus, je ne pense pas que nous nous soyons réveillés à Folsens par hasard. En fait, je pense que notre petite sieste était provoquée. Bah oui, avec le parfum des fleurs, j'imagine. Comment? Mon intuition me dit que ce sont les roses que Sam a disposées qui nous ont endormis. Et quand tout le monde était assoupi, un des wagons a changé de voie. Exactement, mon garçon. Dans le tunnel, un wagon était détaché du reste du train. Et tout le monde s'en fiche. Je parie que seuls les passagers voyageant en première classe ont été emmenés à Folsens. Ah! D'accord. Et du coup, même mystère, elle est pas là. Merde! Les énigmes seraient donc définitivement perdues? Est-ce que Flora a une énigme pour nous? Et puis là, elle nous dit, ah non, c'est bon, ça va mieux, je reviens avec vous. Je vais rester ici. D'accord. Ok. Mais du coup, il y avait une énigme, ça valait la peine. On va ressortir. Tout porte à croire que le docteur Schrader s'était rendu à Folsens avant nous. Nous nous rapprochons du coffret céleste et de la clé du mystère, j'en suis certain. Croyez-vous que celui qui a volé le coffret se trouve aussi dans cette ville? Il est encore trop tôt pour le dire. Nous en saurons plus lorsque nous découvrirons pourquoi le docteur Schrader est venu ici. Pour l'instant, nous devrions nous concentrer sur tout ce qui peut être lié au coffret céleste. Mettons-nous au travail alors. Je vous suis, professeur. Ok. Ouais, du coup, j'avais pas eu l'occasion de fouiller avant vu que je suis directement tombé sur l'énigme nulle de l'hôtel. Oui, elle m'énerve un peu, hein, cette énigme. Ah, et puis là, ouais, on le voit vraiment. Hôtel. Enfin, le L, on le voit pas trop, mais les autres lettres, on les voit plutôt pas mal. Écoute-moi bien, Samuel. Il est ici, en ville, j'en suis certain. Tu vas me fouiller chaque recoin de Folsens et me le rapporter illico, compris? Allez, tonton, tu penses vraiment que ce que les gens racontent est vrai? Je sais pas, pour moi, c'est juste des rumeurs. Mes oreilles me jouaient le détour. J'ai cru t'entendre discuter mes ordres. Tu es bien mal placé pour me faire un cours sur le sujet. Maintenant, mets-toi au travail. Et la musique est beaucoup trop cool. Ok, pas la peine de s'énerver, j'y vais. Professeur, de quoi parlait Monsieur Beluga, le chef de train, à votre avis? Il semblerait qu'eux aussi soient à la recherche de quelque chose. Oh, regardez, professeur, qu'est-ce que ça peut bien être? Un bouquin. Avec un book dessus. Ah, c'est le book 1, le fameux. C'est... Alors, je sais pas, en général, les books avec des cornes comme ça, c'est... T'as des trucs un peu sataniques, avec... Ça pue comme bouquin, faut pas l'ouvrir, je pense, hein. C'est un genre de vieux livre, quelqu'un l'aura laissé tomber en se promenant. Regardez sa couverture, elle est étrange. C'est quoi cet emblème? Voyons voir. Il me semble que cet emblème représente un bouc. Ben c'est ça, c'est le bouc, hein. Eh bien, quoi que ce soit, ça me fait froid dans le dos. Je me demande ce qu'il y a d'écrit à l'intérieur. Dommage que nous ne puissions pas lire tout le livre à cause de ces serrures qui le verrouillent. Mais c'est cet emblème qui m'intrigue le plus. Dites, professeur, quelqu'un dans ce magasin d'antiquités pourra peut-être nous en dire plus, non? Très bonne idée, Luc. Commençons notre enquête ici. L'option mémoire est maintenant disponible dans la valise du professeur. Ouh! Ça, je me rappelais pas de ça. Et un mystère, monsieur Beluga. Quel objet peut-il bien rechercher avec tant d'insistance? Du coup, on va aller dans le magasin d'antiquité. Mais j'aurais bien aimé trouver ma mystère quand même. Ah, et du coup, on a un quatrième truc. Chapitre des mémoires. J'ai rencontré une jeune fille tout à fait charmante au bal d'hier soir. Ses fêtes sont souvent extrêmement ennuyeuses, mais sa présence a illuminé ma soirée. Parce que je suis le fils du duc,
Les gens sont souvent extrêmement guindés ou même obséquieux à mon égard. Mais elle ne m'a pas du tout traité comme cela. J'espère la revoir bientôt. Ah, du coup, on a un quatrième truc à débloquer, j'imagine, avec des énigmes qu'on récupérera des clés. Ah, intéressant. Je me rappelais pas du tout de ça, vous voyez. On en découvre tous les jours. Ah, notre bon pote Chelmi, qui voyage en première classe, évidemment. Enfin, j'imagine. Ou alors c'est Don Paolo. Ouais, Don Paolo, a priori, il va apparaître dans le jeu. On l'a aperçu, mais... Enfin, Layton l'a pas aperçu. Nous, joueurs, nous l'avons aperçu. Mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous causer comme souci? On va bien voir. Inspecteur Chelmi, comment êtes-vous arrivé ici? Ah, tu m'ôtes les mots de la bouche, gamin. Je ne m'attendais pas à vous voir ici tous les deux. Après avoir enquêté sur le terrain à Dropstone, j'ai pu en déduire que cette ville et le coffret sont liés. Le docteur Schrader avait réuni un tas d'informations sur le coffret céleste. L'homme que je poursuis a très certainement tué Schrader pour s'emparer de la relique. J'ai décidé de traquer le coffret plutôt que l'assassin. Quand je le trouverai, j'aurai mon coupable. Ouah, son raisonnement est imparable. Je ne m'attendais pas à ça de la part de l'inspecteur. Quoi? Tu as dit quelque chose, gamin? Non, monsieur, rien du tout. Bien, parce que je n'ai pas le temps de papoter. J'ai un meurtrier à arrêter et à ramener à Londres. Allez, Barton, on s'en va. Oui, attendez, je vais juste faire un truc. Ah, et voilà. Quoi? Oui, chef. Ah, et monsieur l'antiquaire. Bonjour. Richard. Bonjour, vous désirez quelque chose en particulier? Désolé, nous ne sommes pas venus pour acheter. Nous nous intéressons à ce vieil ouvrage ainsi qu'à une relique appelée coffret céleste. Pouvez-vous nous renseigner? Oh non, encore ce coffret! Vous savez, vous êtes le troisième à m'en parler aujourd'hui. Troisième? Le troisième? Oui, deux détectives sont passés à l'instant, et il y a une demi-heure, c'était une jeune fille. Elle voulait savoir si quelqu'un était à la recherche de ce coffret. Katia? Ah bon? Vous pourriez décrire cette jeune fille? Oh, elle était très belle. Elle ne semblait pas d'être ici, mais son visage m'avait l'air familier. Ah, et les policiers enquêtaient sur une affaire, d'après ce qu'ils m'ont confié. Je vais vous répéter ce que je leur ai dit. J'aimerais bien vous aider, mais je ne sais rien sur ce coffret. L'un de mes visiteurs a mentionné quelque chose à propos de la sombre histoire de ce coffret. Si ce coffret s'est un jour trouvé à Folsens, vous devriez jeter un œil au musée Van Herzen. Et où se trouve ce musée? Cherchez un grand bâtiment marron en centre-ville en suivant la route vers le nord. Ce musée abrite une mine de documents racontant l'histoire de notre belle ville. Tout ceci va beaucoup nous aider. Merci pour ce conseil, nous ne manquerons pas de le visiter. Avant que vous ne partiez, puis-je voir ce vieil ouvrage dont vous parliez? Oui, bien évidemment. J'allais justement vous le montrer. Ah, la conception est assez inhabituelle pour un objet aussi ancien, je dirais. Sauriez-vous, par hasard, quelque chose à propos de l'emblème ornant la couverture de ce livre? J'allais justement vous dire que cet emblème me semble familier, mais je ne connais pas sa signification. Je vous avoue, ce qui m'intrigue, ce sont les verrous. Ces vieux gadgets m'ont toujours fasciné. Leur conception étant plutôt basique, je pense que n'importe quelle clé pourrait les ouvrir. D'ailleurs, pourquoi ne pas essayer avec celle-ci? Peut-être qu'elle ouvrira l'un d'entre eux. Considérez que c'est ma façon de vous remercier pour m'avoir montré un objet digne d'intérêt. Et comme par hasard... Oh, mille merci, cher monsieur. On obtient une clé, elle ouvre un nouveau chapitre des mémoires, d'accord. Bon, on lira pas ça petit à petit, on lira ça à la toute fin quand on aura l'histoire complète. Mince, quel dommage qu'il ne sache rien de plus sur ce livre. Oui, c'est bien dommage, mais nous devons oublier ce livre pour le moment. Pour l'heure, une visite au musée Van Herzen s'impose. Et donc, nous allons visiter ce musée. C'est un peu embêtant, relou, les petits messages qui nous indiquent ce qu'on doit faire à chaque fois. Est-ce qu'il y a une énigme à nous donner? Non, je pense pas. D'accord. Allez, barrons-nous. Ah! Mademoiselle, j'ai entendu parler de vous et de toutes les questions que vous avez posées sur ce coffret. Ah, mais je voulais seulement... Ah oui, donc c'est bien Katia. Et avant que vous ne répondiez, je me fiche de savoir qui est votre cher papa. Personne n'est au-dessus de la loi. Pour moi, tous ceux qui sont à la recherche du coffret céleste sont les principaux suspects. Non, vous n'avez pas compris. Chef, vous permettez? Qui est-il, Barton? Vous ne voyez donc pas que je suis occupé? Oui, en parlant de ça, chef, le meurtrier a tué un homme pour mettre la main sur le coffret, donc le coupable doit déjà l'avoir. Si la demoiselle était coupable, à mon avis, elle ne poserait pas de questions sur le coffret, chef. C'est pas idiot. À moins que justement elle fasse comme si elle était intéressée par le coffret et que du coup elle l'avait pas, parce que c'est elle qui l'a et qu'elle avait tué Schrader. Tiens donc, Barton, je ne me souviens pas vous avoir demandé votre analyse de la situation. Je suis désolé, chef.
Veuillez excuser mon manque de jugement momentané. Je m'en vais à présent. Barton, revenez ici tout de suite. Je vais vous confisquer votre matraque, je le jure. Ah ! Ouf. Hey, c'est la fille que nous avons vue en gare de la gare de Dropstone. Comment s'appelait-elle ? Cathy ? Non, ce n'est pas ça. J'imagine que tu parles de Katia, la fille de Monsieur Anderson. Oui, c'est bien ça. Je me demande ce qu'elle fait ici. Ben, j'imagine qu'on va pouvoir la croiser. Et ben, lui parler un peu. On va avancer. Ah ! Tiens donc ! Un personnage bien connu. Tiens donc, voilà deux visages qui ne me sont pas inconnus. Attendez, il est que chez moi ? Ah oui, il y a un très bizarre, je sais pas, je pense pas que ce soit, normal. Eh, hey, je vous connais ! Eh oui, c'est le destin qui nous a réussi. Vous, moi, et ce superbe service à thé que vous trimballez. Bien, après ces retrouvailles si émouvantes, pourquoi ne pas m'offrir une bonne tasse de thé ? Préparez-moi un bon mélange, d'accord ? Vous voulez qu'on vous prépare votre thé ? Et comment un petit scarabée ? Mais attention, rien d'extravagant. Je me contenterai d'un grand classique, un thé délice fruité. C'est tellement facile à préparer que même un bébé en serait capable. Enfin, s'il savait ce qu'était le thé. Bref, vous avez seulement besoin d'un peu d'ortimante, de mirboise et de mandarange. Oui, bon, ça on sait. Ah, bah du coup, et voilà, et donc en fait, on va rencontrer des gens qui vont nous demander des mélanges. Et c'est là que c'est un peu angoissant des fois, c'est que... Enfin, compliqué, c'est que... là, il nous dit exactement ce qu'il veut, mais des fois, il nous dit, bah, quelque chose... Enfin, ils nous disent, bah, quelque chose de rafraîchissant ou quelque chose pour nous détendre, pour... voilà. Et faut réussir à deviner ce qu'ils veulent. Du coup, délice fruité. Et donc, oui, ce bon vieux Stachan Scarfen est également présent dans Professeur Layton 2. Fabuleux, un lâche sourire se dessine sur le visage de Stachan Scarfen. Il semble se sentir plus détendu et d'humeur plus joviale. Voilà un type qui a du caractère, gamin, bien joué. Il me semble que du coup on le reverra aussi dans d'autres épisodes, et il me semble que c'est pas le seul personnage qu'on revoit dans plusieurs épisodes. Je crois. Évidemment, tu n'aurais pas su le préparer sans mes conseils avisés, alors ne prends pas la grosse tête. Tu sais, il y a beaucoup de gens dans cette ville qui auraient bien besoin d'une bonne tasse de thé. Puisque vous vous baladez avec un service à thé tous les deux, à vous de tout faire pour les aider. Sachez que si vous servez le bon thé à tous ceux qui en auront besoin, vous aurez une surprise. Une bonne surprise même, faites-moi confiance. Qu'est-ce que vous en dites, professeur ? Vous croyez vraiment qu'on peut aider les gens ainsi ? Simplement leur servant une tasse de thé ? Ce n'est pas impossible, Luc. Un gentleman ne doit surtout pas sous-estimer les bienfaits du thé. Eh bien, si vous le voyez comme ça, j'imagine qu'on peut faire un petit effort. Après tout, ça ne coûte rien d'offrir aux gens une petite tasse de thé de temps en temps. C'est bien vrai. Bonjour, toi. Denis. Ah ! Dites, vous n'êtes pas du coin tous les deux, je me trompe ? Non, non, vous avez raison, mais comment savez-vous ? Ah ! C'est Denis Brognard, justement. Parce que moi non plus, je ne suis pas d'ici, et j'ai un truc pour reconnaître les natifs. Ouah, ça a l'air intéressant. Vous voulez bien nous l'expliquer ? Oui, pas de problème, mais tout a un prix. Vous savez quoi ? Je me sens un peu stressé depuis quelques temps. Ah bah voilà. Si vous pouviez me préparer un truc tout simple pour m'aider un peu, je vous expliquerai tout. Eh bien, j'imagine que nous pourrions vous préparer une bonne tasse de thé. Je ne connais pas de meilleur remède à la morosité. Ouah, ce n'est pas une mauvaise idée. Cela fait une éternité que je n'ai pas bu de thé. Il veut un thé classique. Une recette classique. J'imagine, voilà. Donc voilà, en gros, voilà comment ça se passe. Il nous dit juste, je voudrais un thé classique, et nous, faut qu'on fasse ce qu'ils veulent. Alors après, faudra qu'on fasse infuser des nouvelles choses, parce qu'on a débloqué un nouvel ingrédient. Du coup, non, pas à essayer. Mais du coup, on va lui servir bah, le délice fruité, hein, j'imagine. Ah bah parfait. Votre thé est excellent. Un large sourire illumine le visage de Denis qui se sent beaucoup mieux. Je vous remercie. Ce thé a beau être un grand classique, je ne m'en lasserai jamais. Bien, nous avons rempli notre part de marché. Alors, à votre tour. Comment faites-vous pour distinguer les natifs de cette ville des gens de passage, hein ? C'est un jeu d'enfant. Il suffit de s'approcher un peu. Et de sentir le parfum de la personne. Faut aller nifler le cul des gens. Je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des gens d'ici sentent la rose, littéralement. Je vois. D'accord. Mystérieux. Qu'est-ce que ça nous dit, ça ? On peut passer sous la tour de l'horloge, d'accord. Ah oui, donc on est place de l'horloge. La fameuse place de l'horloge qu'il y a dans à peu près toutes les villes. Comme le café de la gare ou les... Des choses communes à toutes les villes, à peu près.
Où est-ce qu'on va aller? Bah tiens, on va aller voir du côté de la place de l'horloge. Enfin, de... On va passer sous la tour de l'horloge. Oh, regardez, professeur, l'inspecteur Chelmy est juste là. Inutile de paniquer, Luc. Il ne fait que rassembler des informations sur l'affaire du docteur Schrader. Il semblerait qu'il ait fini par comprendre que la clé de l'affaire se trouve ici, à Folsens. Hahaha, l'inspecteur aurait-il enfin compris quelque chose pour une fois? Bah dis donc, oula. Laissez-moi récapituler, c'est bien l'homme qui s'intéressait de près au coffret céleste. Aucun doute là-dessus. Félix. Ouais, c'est cet homme sur la photo. Je reconnaîtrais ce visage entre mille. Très bien, c'est ce que je pensais. Mon instinct ne me trompe jamais. Allez, Barton, on y va. Hein? Oh oui, chef, je suis derrière vous, chef. Restaurant Lobster House. Oui, c'est ça, donc un restaurant de homard. Bizarre. Ah, un magasin de photos, tiens. Cette enseigne est remarquable. Oui, mais du coup, il nous faudrait l'appareil photo complet, j'imagine. On va parler à ce fameux Félix. Désolé, monsieur, je ne peux pas vous laisser entrer ainsi. Il y a un code vestimentaire très strict. Bah, dis donc. Il va falloir que vous me donniez votre chapeau avant d'entrer. Ah, d'accord. Si je comprends bien, vous nous laissez entrer si je vous donne mon chapeau, c'est ça? Un chapeau, c'est ça? Un chapeau. Vous n'avez donc d'autre choix que de satisfaire cette requête. Pour se faire observer attentivement l'image ci-dessous, vous devez y trouver un chapeau de la même taille et de la même forme que celui représenté en haut de l'écran tactile. Sachez cependant que celui que vous cherchez pourrait être orienté différemment. Oh, oh non. Et bah du coup on est parti pour chercher, hein. Ah mais s'il est orienté différemment, ça... Oh, ça va être compliqué, hein, s'il est pas dans le même sens. Bon, il faut essayer de trouver. Là, j'ai une forme qui correspond un peu, mais là, ce serait soit trop court, soit trop long de ce côté-là. Et en plus, je pense qu'il est un peu plus large que le vrai chapeau. C'est parce que... Ah oui, d'accord, faut juste... Ah oui, il faut dessiner des contours, ok. Il fait... Ah oui, la même taille aussi, d'accord. J'essaie de regarder aussi dans l'autre sens. Je sais pas, ça m'a l'air moins dur que ce que les énigmes du genre qu'on a eu jusque là. Mais je sens que ça va quand même être bien compliqué. Parce que c'est moi qui essaie de résoudre. Là, j'avais peut-être un truc. Ah. Là. Là, je crois que ça, c'est pas mal. Mince. Je crois que je suis pas trop mal. Faut juste que j'essaie de le dessiner à peu près correctement. Ouais, bon, j'espère qu'il acceptera la forme que j'ai dessinée, quoi. Je suis confiant. Oui! J'y ai pas passé 20 ans, je suis content. Ah ah, tout à fait remarquable. Voilà. Je suis très content. En fait, le truc qu'il fallait chercher, c'était surtout en fait les bords, vraiment les bords du chapeau qui étaient pas prêts. Enfin, il y avait des morceaux de cette épaisseur-là, il n'y en avait pas partout. Et voilà, comme vous me l'avez demandé, je vous ai donné un chapeau. Hein? professeur, je pense que c'était pas ce qu'il voulait dire. Il lui sort sa planche à dessin, il fait alors, là, il y a un chapeau. Professeur, je pense que ce n'était pas ce qu'il voulait dire, ouais. Tant pis, je ne retirerai pas mon chapeau, partons, Luc. Mais j'avais vraiment envie qu'on s'arrête pour manger un peu. Je n'ai pas l'intention d'enlever mon chapeau, Luc. Un point, c'est tout. C'est à vous de voir. Ah, et on récupère la maison pour le hamster. Oh, intéressant. Tiens, on va aller voir un petit peu ce bon vieux Jacques. On a une deuxième maison, du coup. Aucune pomme pour le distraire. Je préfère les pommes. Quand le hamster touche une ampoule, celle-ci s'allume, poussant le hamster à continuer dans la direction qu'il suivait jusqu'au prochain hamster. D'accord. Le hamster n'a que faire de ses blocs, mais vous pourrez les utiliser pour bloquer son chemin et contrôler sa trajectoire. D'accord. J'imagine que ça servira vraiment pour plus tard, quand on voudra l'empêcher d'aller vers une pomme, par exemple. Et par exemple, là j'ai la fleur qui est vraiment tout proche de lui, mais vu qu'il préfère les pommes, a priori, il va partir vers la pomme. Et je pense que... Alors, est-ce qu'il va faire le trajet que je lui ai défini ou pas? Rien n'est moins sûr. Oh là, putain, la voix tellement ralentie. C'est ça, donc là il va vers la pomme. Ah
Ah oui, mais là pareil, en fait, là peut-être qu'il va faire n'importe quoi, il va pas forcément faire le truc dans le sens que je lui ai... que je voulais. Ah si, il le fait dans le bon sens. J'ai un peu de chance. Et du coup, je vais atteindre les 14 pas. Je pense. Ah, j'ai... Non, j'ai mis l'ampoule trop loin. Ah non, c'est bon. Par contre, la fleur, j'ai peut-être pas mis à la bonne, à une distance suffisante. Ah, mais du coup, il court, en fait. Ah non, d'accord, l'ampoule, elle lui permet d'aller, je pense, jusqu'à un truc qui est peut-être à plus de 3 cases. Je crois que je commence à piger ce qu'il faut faire. Je crois que je commence à piger ce qu'il faut faire. Du coup, 17 pas, bah très bien, ça. Et du coup, plus on va avancer, plus ça va être compliqué. Ah, là, faut faire 18 pas. Je pense que du coup, je peux réussir à m'en sortir. Attendez, par exemple, la pomme, on va essayer de la mettre un peu plus loin. Donc là, il va partir comme ça. Allez, regardez, là, par exemple, je mets l'ampoule. Comme ça, normalement, il va aller jusqu'ici. Imaginons que je mette la pomme là, et la maison là. Ah, mais là, faudrait être sûr qu'il aille pas vers la maison. Faudrait être sûr qu'il aille pas vers la maison. Ah, mais du coup, est-ce qu'il va faire... Ouais, il va faire assez de pas, là, quand même. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bah, normalement, c'est bon. Je crois que je peux aussi faire ce niveau-là. Je suis pas très doué pour le sport et tout ça. Et regardez, là, on commence déjà à voir qu'il a bien maigri. Hein. Notre sport a été utile. Ok, donc là, il fait bien ça. Après, l'ampoule. Donc, est-ce que j'ai bien compris ce à quoi l'ampoule servait? Oh, je suis trop malin. Je suis trop malin. Mais en vrai, je suis bête. J'aurais pu ne pas mettre le mur et être sûr que... qu'il fasse le trajet dans le bon sens si j'avais mis la pomme en premier obstacle. C'est là où j'étais bête, donc en fait, je pourrais lui faire faire un pas de plus. Mais bon, là, là je pense qu'avec les objets qu'on a, je peux pas faire mieux pour l'instant. Et là, niveau 3, du coup, il est marqué sportif. Et là, voilà, maintenant, il passe niveau 2. Tout d'un coup, j'ai de l'énergie à revendre. Ah là là. Très bien, ça. Maintenant, c'est un athlète, oh là là. Et regardez comme il est maigre. Maintenant, il va falloir monter à 24, mais je peux pas. Alors, attendez, d'ailleurs, on a combien d'objets en tout? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Donc on a 7 objets. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous en manque 3, d'accord. J'imagine qu'il faudra vraiment tous les objets pour réussir à terminer, d'accord. Bon, on avance, ça c'est chouette. Un magasin de photos. Regarde ces photos de la ville, Luc. Celui qui les a prises avait l'œil pour les détails. Mais si on les observe de plus près, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas dans l'ordre chronologique. Penses-tu être capable de les remettre dans l'ordre? Ah d'accord. Donc on rentre à une ligne directe. Photologique. 4 photographies décorent les murs du studio photo de Joseph. C'est pas qui est Joseph. Toutes les photos ont été prises au même endroit, à la même heure et à la même heure, mais pas à la même date. En utilisant les indices visibles sur les photos, vous devriez pouvoir déterminer l'ordre dans lequel elles ont été prises. Pour répondre, vous devrez entrer à la suite et dans l'ordre chronologique les lettres correspondant à chaque photo, par exemple A, B, C, D. D'accord, du coup, va falloir observer. Alors là, regardez, là, il y a un truc... Genre, on dirait un trou, c'est quoi? Ah non, c'est le A du restaurant, genre, qui est éteint. Donc, on va supposer que c'est celle-là qui est en dernier, vu que les trois autres sont, ont le A illuminé. Bon, après, l'ampoule aurait pu avoir grillé à un moment et être réparée ensuite. Là, il y a le bâtiment orange qui apparaît que sur la B et la A, et pas sur les autres. Donc j'imagine qu'il a été construit entre temps, ou alors il était démoli, ça pareil, on peut pas vraiment savoir. Mais imaginons du coup que la fin ce soit BA. Et après, pour entre C et D, comment on peut faire pour résoudre ça? Bah là, il n'y a pas de lumière ici, alors qu'il y en a là. Et il y en a après. Ah mais non, regardez, c'est juste qu'il n'y a pas de lampadaire ici alors qu'il y en a un ici. Bah pareil, du coup, j'imagine que c'est le C en premier et qu'après il y a un lampadaire, donc ça, c'est DBA. N. Il capte des lettres. Peu importe les lettres, mais il capte n'importe quoi. Non mais,
Problème d'écriture. CDBA, voilà. Voyons si c'est bon. Et ben voilà, c'est bien ça. Trop facile. L'ordre qu'il fallait remarquer, c'est ça, le réverbère, et voilà. Bon, exactement ce qu'on a trouvé. Si l'on en croit ces photos, Folsen, c'est une histoire longue et riche. Génial, avec ces photos, je suis sûr qu'on pourrait reconstituer le développement de la ville. Développement, photo... Tu soulèves un point intéressant, Luc. Mais si ce sont de vieilles photos, pourquoi ont-elles l'air si récentes? Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'elles ont l'air très récentes. D'habitude, sur des photos si vieilles, l'image s'est un peu détériorée. Je me demande quelle méthode ce studio a utilisée pour les garder intactes. Ah, bah voilà, on obtient le dernier morceau de notre appareil photo. Du coup, il n'y avait pas besoin d'aller chez Mamie Mystère. Bah du coup, voilà, on va essayer de résoudre le mystère de l'appareil photo et de voir un peu qu'est-ce qu'il faut mettre à quel endroit. Bon, ça, le machin, j'imagine qu'il faut le mettre ici. Dans ce sens-là, je sais pas trop pourquoi. Après, ça, on a dit que c'était quoi? C'est le déclencheur? Le déclencheur, il doit se mettre genre là. Parce qu'il faut quand même que le bouton dépasse. On n'a pas le nom des pièces, ça pourrait aider quand même. Hein. Ça, c'est quoi? C'est le flash? Ah oui, non, ça faut... J'imagine qu'il faut pas que ça se chevauche. Le déclencheur serait pas là, du coup? Ah non, c'est peut-être ça, le déclencheur, en fait. Un truc qui ressemble à un bouton. Ah non, juste... Non, d'accord, c'est juste ça, en fait. Ok. Après, ça a l'air de bien se mettre entre les deux. Ouais, si, ça a l'air de bien se mettre. Après... Après aussi, je peux essayer de regarder avec les connectiques, hein. Ça pourrait servir, genre ça, comme ça. Ouais, non. Enfin, là, les deux ont l'air de bien l'ensemble. Après, pareil, cette pièce-là, je suis pas sûr qu'elle aille ici. Hein. Ah, ça, c'est tout petit. Alors, comment est-ce que je me débrouille avec la fin? En fait, il faudrait que je trouve... Je vais essayer de chercher la pièce qui pourrait aller là. Non. Celle-là, bah non, si je la tourne, ce sera pas dans le bon sens. Ça, peut-être? Ah, voilà. Ça a l'air d'être bien. Après, ici. Qu'est-ce qu'on pourrait y caler? Non. Ça, pourquoi pas? Ensuite, ça pourrait aller là, par exemple. Ouais, je suis pas sûr. Après, est-ce que je peux vraiment y mettre autre chose? Je ne pense pas. Ouais, ça, du coup, ça irait bien là, peut-être. Hein. Ça, comme ça. Et ça, ici. Putain, je suis un génie! Yes! Putain, je suis tellement fort! Je pense que vous pouvez être content. Hein. L'appareil photo réparé, vous pouvez à présent prendre des photos. Et voilà. Donc je sais qu'on... Enfin, je me suis rappelé du coup qu'on pouvait prendre des photos, mais je sais plus à quoi ça sert. Utilisez l'appareil photo afin de trouver des éléments cachés dans le jeu. À certains endroits, une icône en forme d'appareil photo apparaîtra sur l'écran. À ce moment-là, touchez cette icône pour prendre une photo de l'endroit où vous vous trouvez. Touchez l'icône de l'appareil photo dans la valise du professeur pour voir les albums des photos prises. Lorsque vous visualisez l'album, touchez une des photos pour lancer un mini-jeu. Ok. L'objectif est d'identifier les différences entre la photo sur l'écran tactile et l'endroit réel. L'endroit où la photo a été prise apparaît sur l'écran supérieur. Touchez une zone où vous observez une différence pour y faire apparaître un cercle. Ensuite, touchez ici pour soumettre votre réponse. Si votre réponse est correcte, la zone sélectionnée sera marquée d'une icône. Il y a trois différences à trouver sur chaque photo. Une fois que vous avez trouvé les trois différences, une indication vous sera fournie. Retournez à l'endroit où la photo a été prise et touchez l'élément qui vous a été indiqué sur la photo. Qui sait ce que vous pourriez y trouver? Ah! Donc c'est peut-être justement ce qui nous permet de trouver des énigmes cachées. Voilà. Bon, du coup, on aura 9 photos à prendre. Ok, cool. Cool. Et bah, du coup, je pense qu'on va pouvoir, s'amuser à trouver les différents endroits qu'il faut prendre en photo. Ces photos ont vraiment l'air récentes alors qu'elles sont assez vieilles. Comment avez-vous fait? Joseph. Désolé, monsieur, c'est un, secret que je ne peux dévoiler. Étrange. Oui, du coup, je crois que j'ai pas eu l'occasion de fouiller, je sais plus.
Il s'est servi du coup pour récupérer la dernière pièce de l'appareil qui nous manquait? Peut-être, je sais pas. Allez. Pourquoi il a des gouttes, lui? Il a quelque chose de plus à nous dire. Aïe! Puis-je vous demander ce qui vous fait souffrir? Tous les jours, je suis planté ici pendant des heures et des heures. Ah bah oui, un thé. Rester debout aussi longtemps n'est pas bon pour les genoux. Je devrais faire plus de pauses. Il est vrai que vous devez avoir un métier éreintant. Peut-être qu'une tasse de thé vous ferait plaisir. Je me ferai une joie de vous en préparer une. Avec plaisir, mais je vous préviens, je travaille dans un restaurant 3 étoiles. Je suis un gourmet. Si vous parvenez à me préparer un thé doux avec des notes épicées, je m'estimerai satisfait. Ah, doux. Ah, on a rien d'épicé, hein. On peut essayer de faire des trucs, hein. De découvrir des nouvelles recettes. Non. Ça ressemble à de la boue, d'accord. Ok. Est-ce qu'il faut un truc... Est-ce que un truc très doux, ça marche? Non. Oui, d'accord, faut éviter de mettre trois fois le même truc. Hein. On va essayer... Je vais essayer des trucs. Hein. J'ai envie de jouer au petit chimiste. Et de faire des thés et de faire des thés dégueulasses. Peut-être que du coup, il y en a que j'essaie plusieurs fois, je me rends pas compte. Peut-être que j'oublie. Bon, d'accord. Ok. On peut essayer d'autres mélanges. Hein. Moi, je suis convaincu que je peux réussir à faire du bon thé en mélangeant des ingrédients au pif. Non? Vous pensez pas? De toute façon, je sais pas comment trouver les recettes à part en pifant. D'accord. Peut-être que le pif est pas forcément bon. Bon, j'essaie encore quelques mélanges, hein, les mélanges avec un seul truc d'élébor du coup je crois que ça s'appelle, et puis deux éléments de chaque autre type. On va en avoir aucun de bon. Parce que sinon du coup je crois que j'ai aucun thé qui lui irait là au petit monsieur. Hein. Décidément, allez, on va essayer le dernier. Le double ortiment et... Ah non, et les fleurs, pas et les bords. Alors décidément, voilà, ça marche pas vraiment. Parce que du coup, un thé doux et sucré, éventuellement relevé par une touche épicée. Parce que du coup, doux et sucré, en fait, on a ce qu'il faut. Ça c'est sucré, ça c'est doux, il nous faut un truc épicé, ouais d'accord, il nous manque encore des trucs. Vous abandonnez, je ne vous en veux pas, le thé que je vous ai demandé est difficile à préparer, d'accord. Bon, on reviendra plus tard quand on aura de nouveaux ingrédients. On va peut-être avancer quand même, histoire de rester à rien faire. Un chien? Princesse! Waf waf! Ah, elle ne semble pas de très bonne humeur, Luc. Voyons voir si je peux découvrir ce qui ne va pas. Salut toi! Gah, waf! Ah! Luc, es-tu blessé? Je crois qu'elle n'est pas d'humeur à discuter pour le moment. Effectivement, trouvons un autre chemin. Il semble qu'il nous sera difficile de passer par là. Le chemin n'aurait... Elle a l'air gigantesque, hein, la ville. On a vraiment une toute nouvelle zone gigantesque à explorer après quand même quelques heures de jeu. C'est assez colossal. Oui, faut pas tomber, d'accord. Ah oui, il faut que je pense à regarder s'il y a l'icône d'appareil photo. Oh, un parc. Ça, c'est super joli. Hein. Même si la ville est inquiétante, ça serait quand même sympa d'y habiter. Enfin, c'est assez sympa comme ville. On pourrait voir surgir un serpent à tout moment. Ce doit être le fameux musée. Les grilles sont fermées à double tour. Je ne crois pas qu'il soit ouvert en ce moment. J'espérais y trouver de précieuses informations, mais il ne sert à rien de rester ici à attendre. Pour l'instant, allons enquêter ailleurs. Ok, donc maintenant on va explorer la ville. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ah, et on revient là où on était au début, d'accord.
au carrefour ouest. Enfin, je crois qu'on était là, je sais même plus. Ah non, non, d'accord, on est... hein? Ou j'en sais rien. Non, on est jamais venu ici, je sais plus. Narine. Bonjour, mais... Bonjour, messieurs. Laissez-moi deviner, vous êtes à la recherche de la gloire et de la fortune? Je suis un être à la recherche. Oui, je chante pas bien. En fait, nous recherchons un objet appelé coffret céleste. Ce nom vous dit-il quelque chose? Ouah, quel nom fantastique! Voilà une énigme pour vous remercier de me l'avoir fait connaître. Je crois qu'elle est enrhumée, hein, mais je suis pas sûr. 117 trio de duo. Oh lolo. Sur cette photo, Johnny, représentant trois couples, aucun des hommes ne se tient directement derrière sa femme. Des trois femmes présentes, deux sont des sœurs et elles sont assises l'une à côté de l'autre. Le mari de la sœur aînée est l'homme sans moustache. Ok. Tout le monde sur cette photo porte un chapeau, sauf le mari de la sœur cadette. La femme qui n'a de lien de parenté avec aucun des deux autres est assise devant le mari de la sœur cadette. Trouvez l'homme qui n'est marié à aucune des deux sœurs. Ok. Donc oui, il faut trouver... donc, la femme qui n'a de lien de parenté avec aucune des deux autres est assise devant le mari de la sœur cadette. Mari de la sœur cadette, du coup, c'est l'homme qui ne porte pas de chapeau. Donc c'est pas lui. Mari de la sœur aînée et l'homme sans moustache. Donc c'est lui. Bah du coup c'est le B. Je pense, hein. Voyons si ma théorie est la bonne. Ok. Ah ah, tout à fait remarquable. Ok, ok. Oui, bon voilà, il suffisait de lire et de déduire des différentes informations. Bravo et bonne chance pour trouver votre truc. Vous avez ce truc avec un nom exquis. J'imagine que quand vous l'ouvrirez, un génie va sortir et vous accorder un vœu. C'est formidable. D'accord. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vais retourner juste dans ma boîte à thé pour voir si j'ai pas de suggestions pour faire une recette. Non, on nous dit pas... Ah tiens, tu devrais essayer de faire ça. Non, pas du tout. D'accord, on a toujours que deux recettes pour l'instant, c'est vraiment la misère. D'accord, bah faisons demi-tour. Oh, monsieur Beluga, ça fait une éternité. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Pas encore, mais j'y compte bien. J'ai envoyé Sam à sa recherche, mais il n'est qu'un bon à rien. Oh, ne vous inquiétez pas comme ça. C'est Iliana. Ça vous donne des rides autour de vos sourcils si distingués. Qu'en dites-vous, monsieur B? Pourquoi ne pas rentrer et rattraper le temps perdu? Professeur, vous avez vu ça? Monsieur Beluga vient d'entrer dans ce cabaret. Allons voir ça de plus près. Il y a Patrick Sébastien? Est-ce que c'est le plus grand cabaret du monde? Je sais pas. Je sais pas si c'est le plus grand. Ah non, mais du coup, attendez, j'ai fait n'importe quoi. Parce que du coup, j'ai réglé la taille de la fenêtre, attendez. Voilà, c'est mieux. J'ai fait n'importe quoi, j'ai cliqué sur le contour de la fenêtre. Oh, bonjour, beau ténébreux. Ça vous dirait de venir voir le spectacle de ce soir? Excusez-moi, madame, mais nous sommes au beau milieu d'une... Oh, ne soyez pas timide. Je suis certaine que ça va vous plaire. Et qui est donc votre ami? Quel charmant petit garçon. Moi, désolé de changer de sujet, mais j'ai cru remarquer que monsieur Beluga était entré dans votre cabaret. Oh, monsieur B est l'un de vos amis? Oui, en quelque sorte. Dites-moi, est-ce que monsieur Beluga vient souvent ici? Monsieur Beluga est sans conteste un grand amateur de culture. Mais si vous désirez plus d'informations, vous allez devoir m'accorder une faveur. Montrez-moi que sous ces airs de gentleman, vous avez aussi une tête bien remplie. Le prix des joyaux. Je possède ce vieux collier, mais il n'est plus vraiment à mon goût. J'ai donc décidé de le vendre. Mais lorsque je l'ai fait expertiser, on m'a annoncé quelque chose d'étrange. Chaque pierre a une valeur différente. Mais en faisant ouvrir le collier à trois endroits, je pourrais obtenir trois chaînettes dont la valeur serait identique. N'est-ce pas fascinant? Saurez-vous trouver à quels endroits le collier doit être ouvert pour obtenir ce résultat? Alors encore une fois, on va compter la valeur totale. Donc ça fait 2100... Bon, on va retirer les doubles zéros à la fin. Donc 21, 22, 27, 27 et 8, 35, 46, 48, 52, 55, 61, 71, 78. Qui est bien multiple de 3. Et du coup, c'est égal à 3 fois 26. Ouais, 26. Du coup, il faut avoir une valeur de 2600.
Alors, on va voir comment on peut se débrouiller. Trois 1800, 2600. Ok, bon, on coupe là. Oui, moi j'ai cherché vite fait. Enfin, suffit de compter rapidement et ça se trouve vite. 1300, 1700, 2000, 2600. 1700, 2600. Facile. Et voilà ma réponse. Ah, tout à fait remarquable. Bonne réponse. Chaque chaînette vaut 2600 livres. Ce collier va lui rapporter une petite fortune. À 7800 livres au total. Ça fait beaucoup de lecture. Mignon et intelligent, je suis impressionné et conquise. Pour en revenir à Monsieur B, je suis sûr qu'il recherche quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Ses recherches ne doivent pas être très fructueuses parce qu'il est un peu ronchant ces derniers temps. D'accord, mais du coup, on rentre pas dans le cabaret? D'accord. Ok, ah mais du coup, je suis complètement paumé, hein. Je vais juste retourner là en arrière. Et voir, alors je sais plus de quel côté on arrivait déjà. Est-ce qu'on est allé par là? Ah non, on n'était pas allé de ce côté, d'accord. Vous voyez cette tour de guet, professeur? Je la trouve un peu bizarre, pas vous? Ah mince, je voulais pas forcément rentrer. Ou lui, il a une sale tête, hein. Une épicerie, d'accord. Je me demande à quoi ça sert. Ah, une pièce. Qu'est-ce qu'il disait là-dessus? J'ai jamais vu ça auparavant, est-ce que ça se mange? D'accord, bonjour. Ouah, il n'y a que de l'ail ici. On peut dire que ça sent. Pouah! En effet, l'odeur est assez forte. Je suis content d'avoir un mouchoir, ça me pique les yeux. L'odeur me fait mal au nez. Aïolo. Enfin des clients, entrez, entrez! Cela fait des mois que personne n'est entré dans mon magasin, à croire qu'il n'a plus la cote. Je comprends, ou plutôt je le sens. J'ai du mal à respirer et rien n'a envie d'acheter avec tout cet ail. Pouah! La belle affaire, ça sent, et alors? Ce n'est pas pour décorer, tu sais, c'est une protection. Nous avons comme qui dirait un petit souci de vampire, et là il le garde à distance, tu comprends? Un vampire? Vraiment? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, Yamin? Il y a un château près d'ici. C'est là qu'il habite. Enfin, c'est ce qui se raconte. Je ne dis pas que je crois à ces rumeurs, mais on n'est jamais trop prudent, tu sais. Un vampire? Vous voyez cette tour de guet, professeur? Je la trouve un peu bizarre, pas vous? Oui, mais... Tu nous l'as déjà dit, Luc. Tu te répètes un peu. Tu es une vieille personne. Tu radotes. Chili Peppers. Orson. Je ne vois pas de nouvelles têtes tous les jours. Vous êtes venu pour visiter Folsens? Oui, d'une certaine façon. Mais nous ne sommes pas ici pour faire du tourisme. Vous voyez, nous recherchons une relique appelée Coffret Céleste. En avez-vous entendu parler? Non, c'est la première fois qu'on m'en parle. J'aurais aimé pouvoir vous aider. Oh, je ne peux pas laisser partir des visiteurs sans leur offrir un petit cadeau. Voilà, ce n'est pas grand-chose, mais prenez cette énigme comme souvenir de Folsens. Tu parles d'un cadeau? Solide manquant. C'est bon, j'ai déjà compris. Je suis trop fort. 5 solides ont été disposés dans un ordre bien précis. Malheureusement, le 4e solide a disparu. Parmi les propositions A, B et C, pouvez-vous retrouver le solide qui devrait occuper la 4e place? Bah, c'est le B. Parce que si vous regardez, là... Bon, celui-là, on voit pas grand-chose, mais là, on voit un 2, là, on voit un 3, là, on voit un 5, et là, ici, on voit un 4. Par contre, le 1, pour le voir, là-dessus... Ouais, c'est un bloc, donc ça fait 1, mais bon. Et voilà ma réponse. Facile. Ah ah, tout à fait remarquable. Ah oui, d'accord, comme ça fait un oui, ok, d'accord. Bon, voilà. Beau travail, monsieur. Sans vouloir vous démoraliser, si votre piste sur le coffret vous a amené ici, votre chance a tourné. La plupart des habitants, connaissant un tant soit peu l'histoire de la ville, se sont enfuis. Cela fait plusieurs années déjà, vous voyez. Tout a commencé avec une étrange rumeur qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Ah, alors même si nous sommes au bon endroit, il ne reste peut-être plus personne à interroger. Dites-moi quelle était cette rumeur. Des bêtises à propos d'une malédiction. À vrai dire, je ne sais qu'en penser. Mais je me demande souvent ce qui est arrivé à tous ceux qui ont quitté Folsens. Bon, on va regarder cette fameuse tour de guet, du coup. Ah! Qu'est-ce que...
Ce cri m'a fait froid dans le dos, professeur. C'était quoi ce bruit affreux? Je n'en sais rien, mais il semble que ça venait de là-haut. Vite, montons, Luc. Ah, et on peut prendre une photo ici. Eh bien, nous découvrirons ce qui se passe dans cette tour dans le prochain épisode, parce que ça fait quand même un sacré moment que la vidéo est commencée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire comme d'habitude, aimer, commenter, tout ça, si ça vous a plu et si vous en avez envie. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite. C'était Solinder, à la prochaine.